que vous allez bien. Moi ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Hyperscape. Donc nous sommes à la saison 1 de Hyperscape qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Donc on va tester un peu, il y a un pass de combat et tout. Je vais présenter tout ça. C'est parti. Tac, on va baisser un peu le son. Un peu fort. Voilà. On va faire du bien aux oreilles. Hop. Ok, préparation de la session. Oui, nanana. Ok. In the hyperscape. That's not supposed to be there. Well, let me get you all up to speed, okay? About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. So, here we are. 10 billion souls living in the crush of the megacities. But the people at Prisma changed everything. They gave everyone a way out. The Hyperscape. In the Hyperscape, the biggest draw by far is Crown Rush. This is where anyone can become someone. Good at Crown Rush, it can change your life. But strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt, users disappearing from the real world. A darker secret lies at the heart of Hyperscape, and we have to find it. Some of us are searching for a way up. Some of us for a way out. And for others, a new way altogether. That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. Ok. Donc une petite cinématique, super ça. Stylé, stylé. Elle est super stylée. Donc je vais vous résumer un peu la cinématique, même si je pense que vous avez assez bien compris. Hop. Alors attendez, juste. Ok. Attends, ils font. Hein ? Attends. Elle est gratuite ? Elle est aux couleurs de Corsair. Et bah mon clavier est Corsair. Ok. Ok, défendre la couronne, machin. Ok, bon, bah ça, je vais vous présenter après. Donc, du coup, ouais, la petite cinématique, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. En fait, ce qui se passe, c'est que ils sont en train de créer un jeu, donc Hyperscape. Là, ce qu'on joue, là, c'est Hyperscape. Et il y a des hacks. Donc, les hacks, en fait, c'est quoi? C'est les pouvoirs, tu sais, c'est les trucs où tu peux te mettre invisible. Et bah, il y a une personne et elle a des hacks. Et du coup, bah, en fait, ça résume un peu Hyperscape. Ça résume le jeu. Il y a des hacks, tu peux devenir invisible, machin et tout. Voilà. Bah, après, c'est tout. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Hyperscape ou qui n'ont pas vu ma vidéo, allez la voir. Et le but de ça, c'est. Arrive dans un top, il doit rester plus beaucoup de personnes, et à un moment il y a une couronne à rattraper et il faut l'attraper, et tout le monde te voit où t'es, même si t'es en invisible, et ils doivent te tuer sinon tu gagnes la partie.
Oh, stylé ça par contre. Ok. Oh. Quoi? Vous pouvez trouver des éclats de mémoire dans tout Neo Arcadia. Ah, ok. Ok. Du coup, il disait un truc. Elle est gratuite, je sais pas quoi là. Ok, c'est la boutique. Stylé, une petite boutique. Emote, j'ai eu des trucs. Ouais, apparemment, j'ai eu des trucs. Okay. Problème. Ok. Et du coup, il disait elle est gratuite, je sais pas quoi, de machin là. Hall des champions. Ouais, bah non, ça c'est là où j'étais. Merde, mais. C'est trop. Ah, bah ça dedans, on doit dire. Non? Ok. Et. Ça. Ok, bon, ça du coup, c'est le pass de combat. Hein? On peut avoir un champion dans le pass de combat gratuit? Mais attends. C'est trop bien. Donc, regardons un peu le pass de combat. Des petits champions par là. Il n'y a pas de champion ici? Ok, il y a des petites pauses. Stylé. Stylé. Ah. Ça va, bof. J'aime pas trop. Un bof bof. Ok. Et ça, c'est les pièces du coup. Ok, ça, c'est des pièces. Mais il disait un truc là. Attends. J'ai pas rêvé quand même. Il disait elle est gratuite, machin de je sais pas quoi là. Ça, c'est les squats, ok. Ok. Normalement, ils m'ont laissé mes. Yes, ils m'ont laissé mes modules. Ok, nickel. Ok. Bon bah chelou. Hop. On va jouer. Streaming. Ouais non. Je suis pas en stream. Mais ouais, mais du coup, je sais pas, attends. Et ça m'intrigue quand même le skin, il disait gratuit, machin. Ouais, je le veux bien s'il est gratuit. Hein. Alors ça c'est pas gratuit, ça c'est pas gratuit. Non plus. Ça non plus, et ça c'est casé. Ok, on va attendez, je vous fais une petite ellipse de 2 secondes et on se retrouve juste après. Donc désolé, voilà, je suis là. Donc, du coup, ouais, ils m'ont laissé ma hache, mais bah, en fait, ils m'ont tout laissé. Du coup, j'ai des trucs collector, mes emblèmes et tout, sauf ça. Ça, c'est quoi ça? Si, j'ai eu ça. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné. Ok. Bah voilà, du coup j'ai des trucs collector. Ça c'est pas mal ça. Ok, bon hop. Ah oui. Attends. Je sais plus c'est quelle touche. C'est quelle touche, attends, ça doit être L. Non c'est pas L. C'est L. C'est L. Ouais c'est ça. Allez, j'ai pas perdu la main. Bon, on va faire du solo. J'espère que ça va pas bugger, parce que moi, les fois où j'avais joué, c'était chiant parce que je jouais, sauf que bah ça me mettait connexion trop lente. Et du coup, hop, je devais relancer une partie, mais sauf que ça me faisait ça toutes les games. Maintenez. Attends, ils avaient dit quoi? Maintenez pour retirer tous vos pings. Ouais, bon, ça, ok. 1, 2, 8, 6, 2, 4, 5. Are you ready to test yourself in solo crown rush? Just you and your wits against all other contenders. Yeah, trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à ce jeu. Ok. Ah, tu vois, je crois que c'est celui-là. Le skin. Mais oui, c'est celui-là, le skin corsaire. Stylé. Wow, trop stylé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on a un double saut. Wow.
Waouh. Quoi? Ici, de là, normalement. Non, trop lent. Ok. Attends, je vais pas regarder. La map, elle a changé? Non. Et du coup, il y a des mémoires qu'on peut retrouver là. J'ai pas trop compris ça. Je crois que c'est des. C'est un peu pour l'histoire, hein. J'ai pas l'impression qu'elle a changé. Attends. Ouais, non, ça va changer. Et ça a toujours pas changé que. On commence. En fait. Ah, mais attends. On va mettre de ping. C'est comment quoi? Ok, je sais pas. En fait. Là, vous voyez. Nous, on commence là, mais il y en a d'autres qui commencent là et qui commencent là et qui commencent là. Et qui commencent à. Aux quatre coins de la map en fait. Yeehaw. To play contenders, go. Eliminate all other contenders. What? Secure the crown to win. Ah d'accord, il y a déjà plus de zone. Directement. Ok, il y a déjà une zone où il y a plus de. Plus rien. Bah c'était la zone où je pensais aller. C'est pas grave, on va tenter. J'aime pas trop ici. Il y a beaucoup de monde là, je crois. On va la tester, je sais pas si ça joue en comme l'éventreur ou comme un peu un pompe. Hop. On va voir ça tout de suite. Hop, un kill. Oh. Ok, bon, bah j'ai gagné quelque chose, je sais pas si c'est vrai. Ok, donc ça mitraille pas, mais ça fait des gros dégâts, j'ai l'impression. Pas mal, pas mal. Donc, the extra jump event is ending. Four contenders left. Warning, the showdown starts now. Only three players left. Attention, contenders. Hein? The crown is about to appear. La couronne est déjà là? Wesh. Personne là? What? Le mec est juste. The crown. Go find it. I'm okay. Easy. Go on. Je suis trop bien là. Me faire des montes. Oh putain. Merde. Top 2.
Oh là là. Elle est pas mal la petite arme là. Je l'aime bien. Elle est super forte, je crois. Ok. Ah ouais. C'est pour tourner. Bon bah merci, hein, je le récupère. Ok, et du coup, je regarde. Ah, c'est juste. C'est au niveau 3 qu'on l'a. Attends, c'est super simple. Ok. Bon, et bah voilà, les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche. Et moi, c'est Darkest. Tchuss.